Salut, c'est Kayana et on continue sur Pokémon Épée. Donc on avait avec nous Flambino, Mini-Zange, Goupilou, Kelodrome, Kelocroc et Voltoutou. Et on devait se rendre sur la route 3 pour aller à Greenbury. J'ai un cadeau à vous remettre de la part du président. Quelle bonté ce président quand même, vous ne trouvez pas? Bref, grâce à son généreux don, vous pouvez désormais accéder au taxi volant. Grâce à ce service, vous pouvez aisément vous rendre dans les lieux que vous avez visités précédemment d'un seul coup d'œil. Pratique! Oui, ça je sais. Merci, tu n'as servi à rien. Oh, il y a le Onyx. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Ouais. Alors, j'ai fini Pokémon Bouclier. Hein. Donc, on va faire celui-là. Pour avoir le reste des Pokémon. Oh, Pokéball. Mouchoir soie. Capacité de type normal. Ah, il y a un truc qui brille là. Poké poupée. Je vais voir s'il me manque rien avant de partir. Alors, Pokéball 32, potion 20, antidote 5. Rappel, j'en ai 10. Non, c'est bon. J'ai eu l'idée du siècle. Si on faisait un combat. Ok. Faut qu'on soit attaqué si on veut écraser la concurrence. Bah t'écraseras personne avec ton mouton. Et voilà. Mon mouton dégagé. C'est pas difficile, c'est marqué sur l'écran, mon grand. Lis ton écran, Nabil. Pilou, aboiement. Non. Wistempo. Non, c'est vrai qu'il a pas pris le plus fort. Attendez, je vais baisser sa gueule d'un coup. Flambino va évoluer. Voltoutou, ouais. Vous voyez Voltoutou, il a Frog Frimousse. Les singes est plus rapide. Ça c'est tout? Oui, tout l'a paralysé. Allez. Puisqu'il est paralysé, je prends la d'avance.
Il est paralysé, il a pas pu attaquer. Allez. Ça sert à rien, je vais te mettre KO. Ah non, la triche. La triche, monsieur, la triche. On fiche, je suis quand même le plus rapide. Ben voilà. Et voilà, Flambino qui évolue. Mais il est dégueulasse, hein, franchement. En général, les évolutions du milieu, elles sont pas au top. T'es pas Mario, elle préférait pour rien. Ta victoire est justifiée, j'avoue. Tiens, je te donne ma carte de ligue en souvenir. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Le défi des arènes commence dès maintenant, à Motorbike. Enfin, faut qu'on aille jusqu'à Greenbury, en fait, pour vraiment commencer, mais je me comprends. On va tout déchirer, et après on ira défier le frangin. Le prochain maître, ce sera le grand habile de Paddockston. Bon, bah j'ai plus qu'à retourner au centre Pokémon. Petit coup de sauvegarde. Voilà. Ah, un dresseur. T'as vu la cérémonie d'ouverture? Je sais pas pour toi, mais moi ça me donne envie de me battre. Au moins il saute plus partout, ça fait du bien. Alors, on va le double pied. Toi. Le flamèche fait un Pokémon feu, oui, très bonne idée. Pff, j'ai perdu, mais je reste motivée. Double pied. En Pokémon caché, ça ne m'intéresse pas. Attends, petit boudet, il est sol, je crois. Il est sol, petit boudet, ça devrait lui faire mal. Ça, ah, ça lui fait rien du tout. On doit faire.
ça va. J'espère les combats, je crois. Les combats. Allez, encore un coup. Je retourne sans Pokémon. Moi, je fais des allers-retours. Hein. Je n'utilise pas de potions. Non, non, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Ah, t'es guaqué, hein? Attends, je vais te siffler. Oh putain! Bon, moi ça m'aura fait monter de niveau. Enfin... Putain, j'aime pas ces Pokémon. Oh putain. Oh là là. Putain, c'est Zigzaton, ça nous plaît. Hein. Bon, ça me fait là toujours de l'XP.
Ah, salut! Tu avais la classe dans ton uniforme pendant la cérémonie d'ouverture. Tiens, où est passé Nabil? Je m'en fous. Ah, c'est vrai que vous êtes en compétition, donc vous avancez chacun de votre côté. Au fait, j'ai un truc à te montrer. Tu vois le bâtiment là-bas? Il appartient au conglomérat de chez Rose. Au bout de la route 3, il y a une mine. Le minerai extrait est transformé en énergie. Dans cette usine. Voilà, chez Rose, il pollue. Attendez, parce qu'il y a un moucheron là. Ouais, casse-toi. Donc ouais, chez Rose est un touche-à-tout. Même l'énergie de Galar, c'est à lui qu'on la doit. Enfin, tant mieux pour lui. Il est hyper brillant ce type. On peut pas le nier. Bref, je voulais juste te montrer ça. Tiens, un petit cadeau pour la route. C'est une corde de sortie, ça peut toujours servir. Une corde longue et solide permettant de sortir rapidement d'une grande donjon. Oui, maintenant la corde de sortie est utilisable à volonté. Je vais soigner ton équipe. Gregory, ce n'est pas la porte à côté, mais c'est un bon échauffement. Allez, Phil, bonne chance à toi. Coup de sauvegarde pour pas qu'on ait à se refaire tout ça. Voilà. J'ai vu un truc qui brille. Chaque ripan, il est pas ténèbre, chaque ripan. Chaque ripan, il doit être ténèbre au normal. Ou il est normal, je sais pas. Oh, gourmand, non. C'est un sac à PV ce truc là. Aïe. Voilà. Le lanceur appelle tous les Pokémon qui veulent attaquer, plus ils sont nombreux, plus il y a de d'attaques. Secouons l'arbre baie. Cas d'oiseau type glace. Allez, balance une grosse flamèche. Yeah!
quelque chose derrière sa tente, elle. Non. Il ripate, lui le feu. Est-ce qu'il a une attaque au oh. Ah, mais il fait mal. Vas-y, crache-lui dessus. Voilà. Moi aussi, je peux faire mal, hein. Oh, la mèche, ça marche pas des masses. Il a tout le collé au drone, donc on va envoyer le pyro. Pas très efficace, ça. Attaque spéciale. Picore. Arrogance. Oui, c'est vraiment mon équipe. Un petit coup de sauvegarde. Et c'est une mine, donc on va rencontrer des Pokémon Roche. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc on va mettre Kelo... Non. Allô. Voilà. On va mettre Kelo Croc en premier. Voilà. Est-ce qu'il a fermeté celui-là? Moi je le saurais pas. Projette un rocher sur l'ennemi de 2 à 5 fois d'affilée.
Il n'est pas combat charpentier. Je sais pas. Aïe. Oh, les jets de pierre. Oui. Il me semble qu'il est combat charpentier. Aïe, aïe, ça fait mal. Heureusement que l'héodrome est plus rapide. Ouais, c'est ça, les combats charpentiers. Je savais plus s'il était normal au combat. Non, pas hurlement, on s'en fout. Oui, une trop charge, oui, bien sûr. Toujours une trop charge. Je vais retourner au début pour faire soigner mes Pokémon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je te dis. Merci. Elle a quand même mis du temps à me calculer. Top cœur. C'est chiant comme attaque. Ah mais ça suffit avec les étonnements là. Tiens, boum. Tiens, puis je vais te mordre. Mais il a que ça comme attaque, quoi. Mes points de vie. Ah
Ah là, il va falloir la soigner, hein. C'est pas possible. Je sais pas si c'était une bonne idée de me soigner. Allez, survie, survie, survie. Putain, mais Rototo, pas la con, hein. Je déteste ce Pokémon. Allez, psh, psh, psh. Ah, attention. Le porteur ne subit plus les effets des pièges, je ne retrouve pas de poser sur le terrain. Attaque pistolet à eau. Tout rapide, ces attaques de chiasse. Assurance, bien sûr. On va la mettre à la place de Mimique. Coup de sauvegarde. Moi aussi je veux un impact rose. Toi là, avec l'étoile vœu, tu es peut-être arrivé jusqu'ici, mais c'est la fin de l'aventure pour toi. Un conseil, fais demi-tour ou tu vas passer un mauvais moment. Regarde, je me presse même pas pour venir t'affronter. Petite main dans les cheveux. Tu es l'une des challengeuses recommandées par le maître, c'est bien ça? Quelle vaste blague! Le maître, c'est la bagatelle. La personne la plus importante de la Ligue Pokémon, c'est son président, c'est bien connu. Et moi, je suis recommandée par le président, justement. Donc je vous mouille que toi, pigé. Tu vas apprendre à t'agenouiller devant meilleur que toi, espèce de minable. Moi, je sais ce qui t'arrive, donc fais pas le malin. Nucleus, Pokémon Psy, donc on va le mordre. Ah, il va pas faire long feu ton Nucleus. Scrutella et Psy aussi, je crois.
Aïe! Vas-y, mords-le! Il est plus rapide que moi, l'enfoiré. Chatouille. La belle saloperie. La belle saloperie. Ah, là, faut résister, là. Faut résister. C'est bien. Bibichu, il est... Je crois qu'il est psyché, Bibichu. On va essayer baston. Ah, c'est de la merde. Ah non, c'est pas de la merde. Hein? Ou critique. Ah, puis ça continue. C'est fait, ça, bon, angeleuse. Ah, ça fait mal. Vas-y, patate-lui encore la gueule. Voilà. Je vois, peu importe, ce n'est pas comme si j'avais réellement mis du mien. Donne-moi ton argent. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça. J'avoue, tu te défends. Mais tu es tombé dans mon piège. Tout ça, c'était juste pour savoir comment tu combattais. Maintenant, je sais tout sur ton style. Je te battrai à la clôture en compétition officielle. Sur ce, tu m'excuseras, mais j'aime vraiment mieux à faire que de discuter avec une nigoute comme toi. Mais nigo toi-même. Et ne perds pas ton temps à chercher des étoiles bleues. Ici, je les ai toutes récupérées. Il n'y a rien qui brille ? Non ? Ah, si. Ah oui, merci. Je vais remettre la Pierrot en tête. Oh bah direct. Merci les Pokémon. Attends. Je peux voir un truc briller. Ah,
Oui, alors Meowth de Galar, il est acier, donc... Voilà. Et mes anges qui évoluent. Non, non, casse-toi, Oltoutou, casse-toi. D'accord. Ça va, il n'est pas statique. Casse-toi, Meowth, casse-toi. T'as 50 ans? Il fait vachement jeune pour un mec qui a 50 ans. Oui, ça fait pas 50 ans que je les ai. Non, non, cassez-vous, cassez-vous. Cassez-vous. Il n'y a rien, non, cassez-vous. Comment ça va aller? Voler.
Bah, y a rien. Bah, Miaouz qui te pop juste sous le pied. Bon, Evoli, t'es mignon, mais tu dois dégager. Non, j'aurais dû faire une attaque. C'est pas grave. Ah, Goupilou qui évolue. Roublenard. Larsin. Non, pas ce déguisage. Ah, il y avait un truc là. Pardon, excusez-moi. Et j'ai marché sur la crotte. Voilà. Et Mi qui est fait, je crois. Ah, c'est lui qui a voulu en Charmeli. Ok. Allez, ciao, bisous. Mouton, reviens ici, petit chenapan. Maman. Ouais. Mouton vous percute. Ça l'a arrêté net. Oula, rien de cassé, choupette. Une telle charge dans les guibolles, tu l'as dû, sentir la sentir passer. Désolé, hein, ce mouton, c'est un vrai rebelle. Ah, pardon. Mais tu es une challengeur. Moi? Bon. Allez, tu viens même le dire, je t'ai vu à la cérémonie d'ouverture. Moi, c'est Percy, je suis champion et mon dada, c'est les Pokémon plantes. Tu veux pas me filer le badge tout de suite comme ça? Justement, j'ai envie de voir ce que donnent les petits protégés du maître. Passe donc de me voir au stade pour relever mon défi. Tu peux pas le rater, c'est tout droit. Ouais, mais tu peux pas le rater, stade, hein, non plus.
Allez, viens, mon gros, rentrons au stade. Arrête de te carapater, des jets d'eau tournés, ok? Il y a des challengers qui nous attendent. D'ailleurs, mon mouton sur Pokémon Bouclier, j'ai fait 600 combats avec lui et je l'ai toujours pas en shiny. Ça m'énerve. Le stade Greenbury, ça en jette, non? C'est très très gros pour pas grand chose. D'ailleurs, je viens de voir passer Percy, le champion. Il courait vers l'arène. Faut dire qu'il y a du monde qui poirote là-bas. On n'est pas prêt de se battre contre lui. Ah, pendant que j'y pense, Sonia te cherchait. Elle a une question pour toi. Elle me l'a posée aussi, mais je savais pas quoi elle parlait. Elle est sur la colline. Oui, la colline. Je suis un peu nulle en explication. Regarde peut-être sur ta carte. Toto! C'est le vol Toto Sonia. Suis-le. Guider les gens et les Pokémon perdus, c'est sa passion. Non, c'est juste que y en a marre que les gens ils aillent pas au bon endroit, c'est tout. Petit coup de sauvegarde. Ils ont l'air d'avoir une discussion très animée, les deux. What's up, Toto? Merci Voltoutou. Voltoutou il fait, bah, heureusement que je suis là. Hein. Désolé de t'avoir fait venir jusqu'ici, mais c'est une bonne raison. Mais c'est pour une bonne raison, j'ai besoin de ton avis. Il t'évoque quoi ce géoglyphe? Un mec avec des jambes. Le phénomène Dynamax. Moi aussi. C'est un Pokémon géant, j'en suis sûr. Et nos ancêtres, il y a 3000 ans, avaient beau avoir toute l'imagination du monde, je doute fortement qu'ils aient dessiné ça sans avoir vu de Pokémon Dynamax. Comme je te l'ai déjà dit, il y a très longtemps, un tourbillon sombre est apparu dans le ciel de Galar, et les Pokémon géants ont alors saccagé toute la région. Ce tourbillon, c'était la nuit noire dont je te parlais. Mais qu'est-ce que c'était au juste? Quel est le rapport avec le phénomène Dynamax? Tripotage des cheveux. Grand-mère m'a refilé le bébé. Je dois me cultiver toutes les recherches. En tout cas, merci. Ça m'a bien aidé. Et tu me donnes tes impressions. En remerciement, je te donne cette carte de ligue. Percy est champion d'arène de type plante. Face à lui, mise tout sur les capacités feu. Insecte ou vol. Et tiens, pour recaquer un peu ton équipe. Bonne chance. Allez, en route. Tu as un combat qui t'attend au stade de Greenbury. Ah, votre toutou, il est motivé. Pardon. Mate un peu ça. J'ai mon badge plante. J'ai trop assuré. Après, j'avoue, rassembler des moutons, c'est carrément mon truc. Limite, j'ai ça dans le sang. Mais je sais que tu vas arriver toi aussi. Après tout, tu es ma rivale. Oui, c'est moi, le bal masqué. La Pokéball que je vais te donner, c'est la symbole de l'amitié. Copain Ball. «
utilise le Copa Ball pour capturer un Pokémon qui se liera tout de suite d'amitié avec toi. Tu réalises de quoi sont capables ces Pokéballs? Trop de la balle, non? J'adore son look. Allez. Mission d'arène, oui, oui. D'accord. Oui. Bien, je vais te décrire l'objectif de la mission d'arène de Greenbury. C'est simple dit qu'il faut courir après les moumoutons. Le but, c'est de les rassembler au pied de la barrière en bottes de paille. Ils feront bélier avec leur masse et assez cool rare. Tu pourras ainsi avancer. En fait, je ne suis pas présenté, je m'appelle Guido. Je fais office d'arbitre dans l'émission et j'annonce également les résultats. Sur ce, que la mission commence. Moi, je plains les mecs qui sont obligés de se retaper toute la montagne de... Non, on reste pas. À chaque fois de la remettre en place, parce que ça, une botte de paille comme ça, ça pèse lourd. Hein. Et fais pas chier, vole toutou. J'aime bien le bruit. Premier dresseur. Juste attendre que le vol tout y passe. Allez, go. Et on roule droit là. Qui c'est qui a picolé? C'était jeudi le Beaujolais nouveau. Allez. Avancez,
Oui, le dernier. Viens par ici. Allez, go. Je sais que c'était toi le dissident de tout à l'heure. On va changer un peu. Mais oui, il est poison, lui. Voilà. Alors moi, je suis restée à la 1G où ils avaient qu'un seul type. C'est vrai que Mystère, il est plein de poison. C'est un Pokémon de chiasse. Allez. Allez, on avance. Est-ce que j'ai un antidote pour... Voilà. On sait jamais si on a besoin de lui. Mon arène est la première étape du défi. L'échangeur défile non-stop ici. C'est pour ça que je dois faire le tri avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, tu as accompli cette mission haut la main. Je n'en attendais pas moins de toi. Tu as de très bons instincts en ce qui concerne les Pokémon, tu les comprends. Ce combat s'annonce serré. Je vais devoir me servir de la puissance de Dynamax. Si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied. S'il a voulu faire un vrai jeu de mots, il aurait dit le mystère sous le pied. Ah, la musique, la musique, la musique. Ah,
pas mal, mais foi d'agriculteur, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je suis le lapin de Pâques. One shot. Tu m'as envoyé pète. Tu as du talent, Challenger, ça se voit. Ton entraînement a porté ses fruits. Je te donne ce badge point. C'est la preuve que tu as vaincu le premier champion du défi des arènes. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 25. Pour compléter le défi, il va te falloir gagner les 8 badges de divers champions. Et oui, tu as encore 7 champions à affronter et à vaincre. Bonne chance. Bravo pour ta victoire contre Percy. Tiens, une petite CC pour te féliciter. Feuille magique. En cadeau de la maison, l'uniforme de Percy. Enfin, je veux dire, c'est pas le sien. C'est le même que le sien, mais à ta taille. Un conseil pour toi, il y a un ordre à suivre pour le défi des arènes. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre à Skiford et défier Donna. Mais rien ne t'empêche de faire d'abord un détour par les terres sauvages. Après tout, tu as le badge plante maintenant. Tu as donc su prouver que tu maîtrisais les bases. Tu devras aller trouver des Pokémon de plus haut niveau que le tien pour renforcer ton équipe. Mais attention, ça ne va pas être facile de les attraper. Faut que je retourne à... Motorbike. Alors pourquoi je retourne à Motorbike? Pour une simple bonne raison. Je vais prendre Fauchage. Voilà. Ça m'aidera à capturer les Pokémon. Dernier, non, fait magique non plus.
J'ai appris le Glorok, c'est pas la peine. Ah, j'ai aucun Pokémon qui peut faire chauffage. C'est quoi, jeu de merde? Bon, je l'ai, c'est le plus important. Allez, on retourne ici. Pokéball. Centrifugif, c'est quoi? Ténèbres? Bon, y a aucun qui peut l'attendre de toute façon. Comme ça, c'est réglé. Au feu. Par contre, le œil, il va pas aimer, mais alors pas aimer du tout. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Coléodrome peut-être. C'est réglé. Sucroquin, je crois que je l'ai pas. Pas sucroquin. Celui-là, là, voilà. Celui-là, je l'ai pas. Si, c'est sucroquin. Oui. Une attaque, ça devrait être bon. Bah, c'est une super panne. Thank you.
Il m'en faudrait un deuxième. On va descendre, il y a peut-être un autre qui va popper. Ah, coucou. Voilà, on va pouvoir le capturer. Voilà. Ah, désolé, puis faille, mais je sais déjà. Bah, vas-y. Balance une autre charge. Ah, j'ai pas pris la pré-boule. Putain, heureusement que ça paye. Alors, l'évolution de Verpom, il y en a une des évolutions qui est dégueulasse. Mais franchement. Et il est plein de dragons. Vous voyez.
Shinoshidou, le Pokémon qui n'est jamais joué. Oh, perso, je le joue pas. Hein. En général, il est atterri dans le PC. Étincelle, c'est 65. Ouais, on va mettre la place de Frog Frimous. Petit coup de sauvegarde. La triche. C'est de la triche. Un petit bombidou. Voilà, donc là on arrive à la première pension Pokémon. Et dans cette pension, on vous offre un Pokémon qui est Toxiza. Regardez. Oh, il est trop mignon. Toxiza qui est électrique poison. Et qui a deux formes d'évolution. Donc dans sa forme aiguë, donc il a une crête jaune. Il évolue au niveau 30. Donc la forme aiguë, c'est à partir d'une nature bizarre, brave, docile, foufou, hardi, jovial, lâche, malin, malpoli, mauvais, naïf, pressé et rigide. Donc celle-là, toutes ces natures-là, ça donne la forme aiguë.
et la forme grave, donc avec une crête bleue. Donc, forme grave s'obtient à partir des natures assurées, calmes, discrètes, doux, gentilles, modestes, prudentes, pudiques, relaxes, sérieux, solo et timides. Donc, je vais essayer d'en avoir un sous forme grave, parce que j'ai dans mon autre. Dans mon autre cartouche, j'ai la forme aiguë. Donc, on va voir. On va checker sa nature. Non, c'est pas à lui que je voulais parler. Assumer que Toxizap. Il est. Timide. Timide. Ah, c'est la forme grave. Ouais, voilà, timide. Donc c'est bon. On va l'inclure dans l'équipe. On va le mettre à la place de Voltoutou. Comme il est électrique. Et 5 bonbons. Donc il est niveau 1, donc il va falloir l'entraîner. Il va falloir l'entraîner. Voilà. Petit coup de sauvegarde. Tu vas nous filer ton vélo, oui. On a un pont à traverser et une chopinette à encourager, nous. Et à vélo, c'est plus facile pour poursuivre les challengers. Et puis quoi encore? Vous n'avez même pas de motisma, bande de clowns. Ah, challenger, tu tombes à pic. Ces deux guignols essayent de me voler mon bien. Tu voudrais bien me rendre service et me débarrasser d'eux. Mais quel mytho, on veut pas lui voler son vélo, on veut juste le réquisitionner. Pour la bonne cause. Poursuivre les challengers pour les épuiser, c'est une bonne cause. Mais en fait, j'ai une idée. Le meilleur moyen de dégoûter les gamins comme toi du défi des arènes, c'est de leur mettre une bonne raclée. Alors, je me suis pas encore spoilé la forme shiny de Zigzaton de Galar, mais j'espère qu'elle est stylée. Pas comme ce pauvre mouton. Allez, on va lui faire la vie d'attaque pour le finir. Voilà. Si on peut pas emprunter des vélos tranquilles maintenant. C'est clair, il nous faut ce vélo, il n'y a pas d'autre moyen. Tu as peut-être explosé mon pote, mais moi, je vais pas te rater. J'aime bien la musique, elle est stylée. C'est pas grave, j'ai flamèche. Ah,
Non, j'imagine déjà sur ce vélo à semer la terreur. Ça m'a déconcentré. T'es coriace, toi. Un vrai danger pour Rosemary. On va s'assurer que tu puisses pas lui nuire. Parfait, excellent. Merci pour le service. Mais dis-moi, je vois que tu as un Pokédex. Cela signifie que tu es un Motisma, non? Je vais te donner mon vélo. Au moins, il sera entre de bonnes mains. Ce qu'il faut savoir, c'est que Motisma raffole des moteurs. À tel point qu'il n'hésite pas à sauter dans n'importe quelle machine avec un moteur. Et c'est là que j'ai une idée de génie. En attachant un moteur sur un vélo, je me suis dit, peut-être que Motisma se jettera dedans aussi. Et puis, on pourrait l'appeler ça le Vélotisma, ou le Moticyclette, peut-être. Mais bien sûr. Bon, allez, essaye. Je suis sûre que tu vas adorer la vie à motocyclette. Allez hop, monte sur ce vélo avec ton Motisma. Mais le manuel, oui. Voilà. La vue est belle en tout cas. Ah, te voilà, je t'attendais pour mieux te défier. Continue d'avancer, je te provoquerai en combat singulier. Attends, je sauvegarde pour mieux te remettre une raclée. Nous sommes deux fiers challengers ayant tous deux remporté le badge plainte. Un duel amical, c'est l'entraînement idéal. Allez, vas-y, double pied dans sa gueule. Voilà. Le mouton dégagé. Oh, bah c'est pas trop difficile face à mon mouton, quand même. Vas-y, donne de l'XP à mon Toxizap. Bleuzeille. Il est pas encore assis, Bleuzeille, je crois. T'as pas trop d'autres attaques, trucs qui font des dégâts, pas un truc gros yeux qui sert à rien. On provoque, j'en veux pas. Bah d'abord, on va lui cramer la tronche. Badaboin qui est bien jaune vomi. Ah, il a pas foutu KO en un coup. Ah! Sérieusement, grincement? Allez. Ah non, la triche. La triche! La triche de la super potion. Voilà. Attends, on a tous les deux le badge plante, non? Alors pourquoi t'es plus forte que moi? T'assures de plus en plus. Va falloir que je m'entraîne comme un fou si je veux pas me laisser distancer. La prochaine sur la liste, c'est Donna, de l'arène de type O. Ouais.
Ah, ça brille. Ça brille, ça brille, ça brille. Oh. Ah, il fait comme Cotovol. Cotovol. Si, c'est Cotovol, l'évolution de Floravol. Bonjour. On va essayer Toxisa. Ouais, c'est le gros bébé. Allez. Comme lui, un gros. Il va y avoir du mal. Je fais du caca. Et le croc va en prendre plus de boules. Ouais, à la place du charge. Mais il y a quoi, des culbutes, ok, ça m'intéresse pas. Cradopod, il est poison combat, je crois. Il est poison combat. Ah ouais, écoute, boum, mon attaque préférée. Allez, on vise bien et on tire. Et voilà, du x4.
Je suis navrée, mais le président est très occupé. Auriez-vous l'obligation de bien vouloir nous laisser? Merci. Bon, ok. Au revoir, monsieur le président. Enfin, chers amis, revenez. J'ai toujours le temps pour signer quelques autographes. Le petit président avec sa petite bedaine. Je vous donnerai même ma carte de ligue. Liv, elle a des talons. Enfin, Liv, toutes ces bonnes gens ont bien le droit de profiter du plaisir que leur apporte ma présence, elle aussi. Ne perds pas de vue que sans le soutien des fans, nous ne serons rien. Sois donc un peu plus aimable avec eux, d'accord? C'est bien beau d'avoir des fans, monsieur le président, mais il faudrait qu'ils vous laissent travailler, si vous voulez continuer de les éblouir. Monsieur Chérose, moi aussi je vais continuer de tout donner pour vous. C'est fort aimable à toi, mon petit... Peux-tu juste me rappeler ton nom? Travis, monsieur. Bien sûr, le brave petit Travis, hahaha. Tu as bien grandi, je me souviens encore de toi le jour où je t'ai donné un Pokémon. Tu as l'air bien parti pour réussir les défis des arènes, les protéger du maître aussi. Vous m'avez fait l'honneur de me soutenir, monsieur le président. Je vous ne décevrai pas. Je serai le meilleur des challengers, vous verrez. Je vais m'entraîner de ce pas. Salut. Je me demandais justement pourquoi Tarak avait décidé de te recommander. Je viens d'avoir une idée merveilleuse. C'est normal après tout, je suis tellement fabuleux. Fabuleux! Ma jeune amie, tu es en route pour affronter Donna, c'est bien cela? Écoute, je compte m'offrir un bon repas. Passe donc me voir une fois que tu as obtenu ton badge, pour que l'on célèbre ça ensemble. Tu pourras en profiter pour me parler un peu de toi, je suis curieux. Monsieur le Président, ce n'est pas pour vous bousculer, mais il serait temps d'y aller. Je compte sur toi, jeune graisseuse. Se passe-toi pour l'avenir de Galar. Le président a un planning très très chargé. Il a prévu de passer au restaurant de fruits de mer un peu plus tard. Fais récupérer ton badge et retrouve-nous là-bas. Ne le fais pas attendre. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans les terres sauvages un petit peu. Et m'entraîner. En tout cas, entraîner Toxizap. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très utile. Ouais. Il est électrique poison. Là, on va affronter une dresseuse de type eau. Plus tard, on affronte une dresseuse de type fée. Donc, il est goldé pour l'aventure, littéralement. Bon, on se retrouve un peu plus tard.